Salut, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Lascris. Bonjour à tous, c'est Mrs. De. Aujourd'hui, on vous propose le bloc 86 qui se déroule à Saint-Tropez. Alors, c'est parti! C'est un hôtel-restaurant dominant la ville. Il date de la fin du 19e siècle et il a appartenu à l'industriel français ayant créé la société du cinéma Gaumont. On vous emmène? Nous voyons la Scris. Un jour comme ça en Paris. Oh oui, tout à fait. Ancien château de Gaumont est aujourd'hui appelé château des Tourelles. Oh, mais qu'est-ce que je vois, Lascris? Qu'est-ce que vous avez pris là? Dites-moi. Je parle de Saint-Tropez, c'est un cocktail à base de jus d'ananas, cascade de saveur de fraises, framboise et pêche blanche. Ça a l'air que vous allez bien vous régaler, très cher. Ça va rafraîchir parce qu'il fait chaud. Coucou, alors nous sommes sortis du restaurant. Une très bonne expérience. Si vous avez la possibilité d'y venir, eh ben, je vous invite vraiment à venir déguster leur plat. Ah, je vous conseille, c'est excellent. Oui, vous êtes à côté du port. Je l'ai vu ce matin. Alors, on tire où on pointe? Petit cochonnet. Ah bah ça c'est sûr, c'est la bougie de Saint-Tropez. C'est le symbole du bol. Et voilà. C'est le seul produit local artisanal qui s'est trouvé sur Saint-Tropez. Nos moules ont été bénis par les maîtres de l'époque. Oui. Dédicacés par Brigitte Bardot. Vous avez la signature. Ah. Plus local, je ne peux pas faire. Des t-shirts marqués Saint-Tropez. Oui. Mais ça fait plus frais. En 2017, une statue de 700 kg et 2,5 mètres de haut, inspirée d'un dessin de Milo Manara, d'après une photo de Gigi Dussart, ici à Saint-Tropez. Ça sera mieux comme ça. Nous sommes actuellement dans le musée de la gendarmerie et ici vous verrez le thème des gendarmes, tout plein d'accessoires de films, films qui se sont tournés entre 1964 et 1982. Thank you.
passé. Il y a également Roger Vadim, Plenianikov dit Roger Vadim, né le 26 janvier 1928 à Paris 5e et mort le 11 février 2000 à Paris 13e, est un romancier, réalisateur, scénariste, acteur romancier et poète français. Il eut plusieurs compagnes dans sa vie et épouses, comme Brigitte Bardot, qu'il a épousé de 1952 à 1957. Les abonnés aujourd'hui, c'est le musée de Louis de Funès. On y va, c'est parti, let's go.
Qu'est-ce que vous en pensez? On y continue? On continue la visite. Avec les roseaux dessus, c'est super beau. Tous ces personnages réunis. La plage de Saint-Maxime. La tour carrée. Il renfermait auparavant le musée traditionnel local. Depuis 2018, il est fermé. La tour date du XVIe siècle et fut construite pour protéger la ville des pirates et des guerres de religion. Saint-Maxime est une ville en face ou à côté de Saint-Tropez. Il s'agit de la ville la plus importante du golfe de Saint-Tropez, avec 13 968 habitants en 2017. Ses habitants sont appelés les Maximois et les Maximoises. Alors nous avons la tropézienne framboise et fraise. Vous avez la tropézienne originale et des petits mini. Le pont du Préconil, construction réalisée en 1934-1935 par Gibouin, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Le pont du Préconil, je vous l'ai montré ce matin et le soir, il est illuminé. C'est un véritable chef-d'œuvre pour l'époque, devenu aujourd'hui l'emblème de la ville de Saint-Maxime. Admirez comment c'est magnifique.
avez le port de Saint-Maxime, le phare qui clignote au loin, et là, la plage de Saint-Maxime. Le matin de bonheur. Je m'approche. Les palmiers. L'office du tourisme de Saint-Maxime. Petit poisson! Qu'est-ce qu'elle est belle, la mer de Saint-Maxime, au lever du soleil. On revoit le pont du Préconil. Bon, il n'y a pas que à Paris on voit des pigeons, il y en a également ici, dans le Var. Découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Miss S2, elle a pris à la cerise et à la framboise. Et la cerise, il a pris l'original et la cerise. Sur le pont du Préconil, Miss 2, elle est passée et vous regardez. Je suis actuellement à Saint-Maxime et donc là c'est le côté rocher de Saint-Maxime. La mer rocheuse de Saint-Maxime. En face Saint-Tropez. C'était le bloc 86. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Miss S2 et la Scrisse vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Bisous.